Salut, alors moi c'est Denise, je suis dans les rênes du... Donc voilà, moi j'ai 28 ans et c'est parti! Ok ma belle, c'est parti, moi aussi j'adore les couleurs. Bonjour. Bonjour, c'est pour savoir où étaient les robes, les accessoires, etc. Il est juste derrière vous. Très bien, merci. Alors, voyons voir. Ça c'est joli, il y a du vert, c'est assez coloré, il y a un petit peu de sombre, mais c'est pas grave. On va un petit peu tout essayer. Non, pas ça, ça c'est moche. Ça, non, ça c'est pas beau. Ça. Donc c'est parti. Go. Donc voilà, pour la première robe, je suis pas très fan, il y a vraiment beaucoup de noir. Puis ça me va pas trop. Donc voilà, c'est no. Alors sa robe, elle est grande. C'est vrai que ça lui va pas trop bien, mais bon, voilà. Ok, bon bah alors pour celle-là, je l'aime vraiment bien. C'est dommage qu'elle soit un petit peu sombre. Mais sinon, je trouve qu'elle va très bien à ma morphologie. Ça me change d'avoir du sombre. Mais je vais quand même rester sur du peps parce que ça va pas trop avec mes cheveux. Et bah t'as bien raison ma chérie. Mais c'est vrai que cette forme t'allait vraiment bien. Voilà, c'est vrai qu'avec ta couleur de peau, c'est pas le mieux. Mais j'espère que tu vas trouver une robe vraiment bien appropriée à tes couleurs. Celle-ci, j'aime bien la coupe, mais les couleurs, ça me va pas trop. Donc voilà, j'y réfléchirai. Oui, bah, cette robe, t'allais pas du tout de toute façon. Hein. Les couleurs, c'est pas bien. Il y a du vert, il y a du orange, et puis le noir non plus. Donc de toute façon, ça aurait été no. Alors, j'aime assez cette robe. Les couleurs, c'est pas forcément ce qui va avec mon teint, mais c'est coloré, j'aime bien. Alors non ma chérie, ça va pas du tout. Faut vraiment pas que tu prennes ça. Ça va vraiment pas du tout à ton teint et puis à ta morphologie. Ah j'adore vraiment vraiment mais vraiment trop cette robe. Elle est vraiment trop magnifique. Ah! C'est vrai qu'elle est belle. Bon je vois que t'as plus d'autres robes. Ouais c'est vrai que c'est la mieux que t'aies portée pour l'instant. Bon bah maintenant on va passer aux chaussures. C'est moche, je sais pas avec quoi je pourrais les mettre, mais on va quand même essayer. Essayer, essayer. Voilà, on va essayer celle-ci. Donc là, j'en ai essayé deux en même temps pour différencier des couleurs. Bah, parce que voilà, ça fait une et une pour voir un petit peu laquelle est la mieux. Et en fait, les deux ne me conviennent pas. La chaussure blanche, si t'allais bien, c'est vrai que la rouge. Avec tes couleurs, ne t'allez pas. Hâte de voir les autres. Alors, ces chaussures, elles me vont pas très bien aux pieds. Je décaloche avec. Puis, je saurais pas trop avec quoi mettre ces chaussures. Donc, non. Ouais. C'est vrai que tu décaloches avec, mais elles sont sympas. Mais c'est pas trop grave. De toute façon, je sais pas vraiment non plus avec lesquelles tu aurais pu les mettre. Alors, ces chaussures, je les adore, mais le problème c'est qu'elles vont pas avec celles que je veux. Oui, bah elles sont moyennes, hein. C'est vrai que c'est pas les meilleures, mais non, non, tu prends pas, tu prends vraiment celles qu'il faut. J'ai fait la même stratégie et j'aime vraiment beaucoup les deux, mais je sais laquelle irait la mieux avec ma robe. Je me demande vraiment quelle est sa robe parce que là. Elle commence à nous faire des petites cachotteries. Passons maintenant au maquillage. Pas au maquillage, n'importe quoi. Mon bras! Passons maintenant aux accessoires. Ça me plaît, on passe directement à ce qui est tout là-bas. On va quand même juste essayer celui-ci, mais c'est tout. Ok. Je pense. Vraiment le certain du t'as quelques mèches noires ça pourrait aller mais avec la coiffure la nuit, un coup de lumière mortelle,
Ok, donc verdict, cette tenue lui va très bien. Je suis pas vraiment vraiment fan de la coiffure, mais bon, c'est son style, il faut dire. Ça fait vraiment tenue de soirée. Donc moi je mets 8. Et donnez-nous, vous, en commentaire, ce que vous lui aurez donné, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Et à demain pour la troisième de cette série.